Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, il est 8h30 et on va à la plage. Bon bah on voit que c'est la fin de l'été, hein. Il y a d'énormes vagues. Enfin, on dirait pas là mais il y a des grosses vagues, il y a plein de surfeurs là-bas. Et la tache noire elle est toujours là sur mon écran, il faut que je fasse quelque chose, je sais. Et il fait pas chaud, il fait 20 degrés. Et il y a personne, on est bien là nous. Il y a papa qui vient de finir son footing et qui vient se baigner un peu avec nous avant d'aller au travail. Ouais. Papa ! Attends, on va pas avec papa chérie, c'est dangereux aujourd'hui, il y a trop de vagues. Bon ça y est, on est de retour de la plage. Wawa il est content ? Oui. Oh il est tout content Wawa. On sort de la douche toutes les deux, on a pris une petite douche. Il y a une grande. Oh bah tant mieux s'il est content. Bon il y a les mignons toujours en fond, en fait ça n'arrête jamais parce que elle veut même plus regarder des dessins animés, il faut que je lui achète d'autres films. Elle est dans la période où elle veut regarder le même dessin animé en boucle. Donc c'est normal. Moi quand j'étais petite c'était Beethoven et Maman j'ai raté l'avion que je regardais. Je regardais tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Mais j'étais plus grande que toi par contre. Hein. Maman. Mais oui, moi. Donc là je vais faire à manger, il est 11h10. Donc ça va, on est bien. C'est super agréable d'aller à la plage à 8h30 le matin, il n'y a personne, c'est trop bien. Donc voilà, on va se. Oui, la voiture. Vu qu'elle s'est levée à 7h encore cette petite demoiselle ce matin. Tonton, ah oui, t'as vu tonton. Croisé, tonton Thierry. Et vu qu'elle s'est levée à 7h. Je pense qu'elle va être fatiguée, elle s'est bien amusée à la plage, il y avait des grosses vagues, elle n'a pas pu trop se baigner, mais on a bien rigolé toutes les deux. Mmh. Oui, on a bien rigolé. Les rochers. Oui, il y avait des rochers. On montait rochers. Et oui, toi tu voulais monter sur les rochers, mais on ne pouvait pas, c'était trop dangereux là. Mmh. Ah oui, c'est le mariage, t'aimes bien le mariage. Allez, le repas est prêt. J'en peux plus des mignons, je connais tout par cœur. Alors ce midi, un petit œuf au plat, une petite purée à la tomate et au poivron. Et avec un peu de pain pour saucer. Voilà. Et ça c'est chaud. Enfin, l'assiette elle se met dans ce sens là chérie. Parce qu'elle arrondit ici. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci ma chérie d'amour. Bon, on est réveillés comme hier. Ouh, ça va couper. Oh, t'as failli tomber. Bon, et là, elle fait la peinture. Et donc, je disais, on vient de se réveiller. Exactement comme hier, je me suis fait une sieste. J'essaie d'aller doucement le week-end. Je me couche tard et je travaille, enfin, je fais plein de trucs. J'avance bien en ce moment, mais le problème c'est que je me repose pas. Je parlais de retomber dans les. D'être aussi fatiguée que quand j'étais dans mon ancien travail, donc il va falloir que j'apprenne à régler mon temps. Et c'est vrai que vu que Nico, là il est en horaire d'été, jusqu'au mois de septembre, ça va être chiant. Parce qu'il a pas de week-end, et que du coup ma belle-mère elle garde la petite la semaine. Mais des fois Nico il est en congé la semaine, donc du coup elle la garde pas tous les jours. Et du coup moi le week-end bah, je la garde moi donc du coup je peux pas travailler tous les jours quoi. Donc faut que j'avance, faut que je me trouve une bonne organisation. Et on regarde encore moi chez Méchant. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait le 3 qui était déjà sorti. Je sais pas s'il est sorti en DVD ou pas. Si on peut le trouver en téléchargement. Regarde ce blanc moi. T'es blanc? Blanc, ah, t'as mis du blanc sur tes doigts? Oui. C'est la peinture? Oui. Oh mon bébé. C'est pas grave, non. Mais tu sais que c'est avec le pinceau qu'on fait la peinture. Donc, du coup, voilà. Là, on fait de la peinture, du dessin. J'ai fini de
faire mon album du mariage. J'ai trop hâte, je vais le recevoir la semaine prochaine. Ça m'a pris deux jours pour... Des jours pour choisir toutes les photos, les mettre dans l'ordre que je voulais. Bref, j'ai deux albums, du coup, verrez, ça devrait être pas mal. Je suis contente. T'appelles maman, vas-y. Ça fait maman. Allô, maman. Allô. Ah, tu fais le numéro d'abord? Tu vas aller faire du vélo? Le vélo dehors. Vélo dehors? T'es bloqué? La robe. Comme ça. Allez. Vélo dehors, là-bas. Ok. Ça y est, tu sais faire du vélo, madame. Attention, pas trop vite, hein. Non, et celle-là elle est bonne. Celle-là tu peux. Le papier aussi il boit l'eau, t'as vu? J'ai de l'eau sur le papier. Il y a boit ça. Coucou papy. Coucou papy. Est-ce que cet enfant est normal? C'est rigolo. C'est rigolo? Ça c'est. Elle est remplie avec toutes ses perles. Pendant que maman elle range tous les vêtements dans l'armoire, je suis en train de tout trier. Je vais faire le tri d'un vêtement d'hiver. Là, je suis en train de ranger tous ses vêtements d'été. Elle est là, ta perle. Tu te penches pas par contre. Sinon tu tombes. Mais elle est où, elle est là? Je la vois. Oh, elle est là, je te voyais plus. Je fais le lit et défais le lit, je refais le lit et redéfais le lit. Et la boîte qu'elle a avec les perles, je ne la trouve plus. Et là, me dit qu'elle l'a jetée hier à la poubelle. Elle est où ta boîte de perles, bébé? Là. La boîte qu'elle a avec les perles en plastique, elle est où? Boîte à poubelle. Tu l'as jetée à la poubelle? Oui. T'es sûre? Moi, bon, la poubelle, maman. D'accord, ok. Bon, papa est de retour dans son plus beau caleçon. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange, monsieur, aujourd'hui? Tu me filmes de près. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, on va faire des beignets de courgettes et une salade de tomates. C'est bien. Ça va vite à faire. C'est trop bon, surtout. Ouais, c'est bon. Regardez comme il est fort, cet homme. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? La folie. Tu m'aimes à la folie? Oui. Moi, je t'aime à la folie. T'es le plus gentil bébé du monde. Tu sais ça? Elle est tellement câline et tellement mignonne. Elle a cassé ça. Ça s'est cassé? Oui. Oh. Oui, là, c'est moi. Oui, c'est chez moi. Elle est cassée? Oui. Moi, elle est cassée. Oui, non, elle n'est pas cassée chez moi. Voilà. Trop bon. Tu manges le nez à papa? Tu fais néné. Néné, néné, néné. Bon, je vous retrouve en direct live de mon lit, ce qui est assez rare. Il est 22h30, j'ai décidé de me coucher tôt pour me lever tôt, pour reprendre un rythme, vu que demain c'est lundi, qu'on repart sur une nouvelle semaine. Un rythme normal. Je vais aller courir demain matin, donc en plus comme ça je vais me lever facilement si je me couche tôt. Je viens de regarder le vlog de Rox de la chaîne Mila Pépichou, si vous... Enfin, vous la connaissez, forcément, j'imagine. Et j'ai vu que Mila était tombée, apparemment, qu'elle avait été aux urgences. Donc du coup, je lui ai envoyé un texto parce que je m'inquiète un peu, mais j'ai pas eu de nouvelles encore. Elle est un peu tard. Et du coup, j'espère que ça va. Ça fait tellement peur quand les enfants comme ça, ils tombent ou quoi. Qu'ils sont petits comme ça. Bref, j'espère. Enfin, apparemment, c'est rien de grave, mais bon... Ils ont flippé, donc je voulais avoir des nouvelles. Donc voilà, je vous dirai demain si je l'ai eu. La pauvre. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'ai pas énormément vlogué aujourd'hui parce que j'ai profité de mettre, j'ai profité de cette journée pour me reposer. Je me suis dit le dimanche, maintenant, Elissa essaie de
lâcher prise. Donc je me suis... Bon, j'ai quand même avancé sur l'ordi, j'ai quand même monté mon vlog, j'ai quand même fait des trucs et tout aujourd'hui forcément, mais je suis allée à la plage avec la petite, j'ai profité d'être à la plage avec elle, rien qu'elle et moi, parce que Nico il est passé en revenant de son footing, mais il est passé 10 minutes, mais après on a profité d'être que toutes les deux, on a ramassé des coquillages, on a joué dans les vagues, enfin on a vraiment profité à deux, elle était très contente. Et c'est après pareil, on a fait du vélo, de la peinture, enfin elle était contente et ça me fait du bien aussi de lâcher, de déconnecter un peu. Donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce vlog vous a tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. À vous abonner aussi à la chaîne de Nico. Nico, ça lui fera plaisir. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.